Moi, je suis chargé de communication des Scouts musulmans de France et donc je m'occupe de faire connaître toutes les activités des Scouts musulmans de France et d'organiser des événements aussi. Donc moi c'est ce que j'attends de Aïda, qu'elle aide déjà les Algériens qui sont établis à l'étranger, qu'elle les aide dans le business, qu'elle les aide dans leur engagement sociétal. Et par rapport à moi personnellement, qu'elle m'aide dans les actions que je veux mener en Algérie, que ce soit au niveau sociétal pour la jeunesse et au niveau du business aussi. Concrètement, donc, c'est la facilité, parce que le plus gros problème pour un nouveau, quelqu'un qui démarre dans le business, c'est l'argent, c'est les banques. Donc un soutien financier, un soutien technique, et parce que l'Algérie, comme on l'a dit, c'est comme plusieurs pays dans le monde, c'est très spécial au niveau administratif, que moi personnellement que je ne connais pas, que la diaspora à l'étranger ne connaisse pas. Donc eux peuvent être un lien au niveau administratif et connaître les rouages administratifs algériens.